Une visite inattendue. Une fois par semaine en été, Confolens se découvre en pédalo. Depuis sa naissance, la cité tisse un lien singulier avec l'eau. Elle s'est installée à la confluence de la Vienne et du Gouard. On voit très nettement donc une forme en V, et c'est à l'intérieur de ce V que s'est installée la cité. Sur l'eau, la ville se dévoile autrement. On peut observer ses moulins, le pont Neuf, le pont Vieux, la porte du Gué, le quartier Sainte-Maxime et celui de Saint-Barthélemy. Quartier d'artisans, de tanneurs et de commerçants. Au XVIIIe siècle, la prospérité de la cité doit essentiellement au travail du cuir. Et les animaux étaient bien sûr abattus dans le secteur localement, mais pas que. Le savoir-faire et la prospérité de ces tanneurs, en fin de compte, de ces tanneries, faisaient que d'autres peaux venaient des extérieurs pour être travaillées ici. C'était une plaque tournante, si vous voulez. Le temps est suspendu. Porté par le courant, les touristes s'émerveillent. C'est sympa, c'est original, ça change un petit peu du quotidien. Ah, c'est vraiment charmant, absolument charmant. J'adore l'eau, j'adore les rivières. C'est un angle autre, mais on apprend des choses que de l'autre côté, on s'imaginerait même pas. Sur Terre, Confolens livre d'autres mystères. Céline de Veza les connaît sur le bout des doigts, comme la légende de cette maison en pan de bois, celle du duc d'Épernon, la plus ancienne de la commune. En 1619, le duc d'Épernon, le fameux, serait venu ici avec 300 gentilshommes pour préparer le plan d'évasion de la reine Marie de Médicis, la mère de Louis XIII. Alors, très concrètement, ils ne se sont pas retrouvés ici. Ça ne loge pas, tout simplement. Mais allez savoir pourquoi, la légende est restée attachée à cette maison. En arpentant les rues, arrivant sur le point culminant de Confolens, on peut observer les vestiges de la cité seigneuriale. C'est une partie qui est vraiment très intéressante parce qu'on peut illustrer auprès des gens le fait qu'un château, ce n'est pas forcément une enceinte avec une tour à chaque angle. Sur Confolens, on avait une enceinte fortifiée dans laquelle se trouvaient les bâtiments en lien avec le pouvoir du seigneur, ce qui est le cas avec la salle de justice, mais aussi avec le donjon. Et on avait d'autres bâtiments associés aux chevaliers qui accompagnaient le prince de Chabanais sur sa route. Homologuée en 2015, petite cité de caractère, Confolens garde les traces d'un patrimoine bâti il y a 1000 ans.